Le jeu de discussion historique, c'est un jeu de cartes avec différentes cartes pour que les élèves puissent discuter. On va aborder les questions du trois QPOC, qui, quand, quoi. On a les aspects de société aussi, politique, économique, territorial. Et on a des concepts de la pensée historique, cause, conséquence, changement, continuité, similitude, différence. Puis un petit aspect de hasard avec des cartes où les élèves vont avoir à piger des cartes, changer de paquet, piéger leurs amis. Quand on joue au jeu de discussion historique en classe, ça amène une ambiance complètement différente. Les élèves sont dans le plaisir, ils s'amusent, ils posent des questions, on entend des éclats de rire, ils se challengent aussi, ils se reposent des questions. C'est vraiment différent comme approche. Les conversations évoluent, les discussions sont plus approfondies. Les élèves en viennent à être meilleurs dans leur choix de mots, de thèmes, aussi en lien avec tout ce qui est opération intellectuelle, continuité, changement, similitude, différence, sont plus à même de donner des réponses élaborées au fur et à mesure qu'on va jouer avec le jeu. Vu que le roi d'Angleterre ou de Grande-Bretagne, il met des taxes aux 13 colonies et pas à la province de Québec, les Anglais des 13 colonies commencent à être fâchés. Ouais. C'est ça le négatif. Les conversations peuvent servir en évaluation. J'ai remarqué que certains élèves qui ont des difficultés, parfois un TDAH, une dyslexie, ont de la difficulté à rendre par écrit leurs réponses. Tandis que quand ils sont à l'oral, ils vont le développer davantage. Donc, pour certains élèves où j'ai des doutes, des questionnements, je peux me servir du jeu pour aller valider leur compréhension des concepts historiques. Quand on joue à discussion historique, je permets aux élèves d'avoir leur note de cours, d'avoir un matériel, une feuille résumée. Ça leur permet de faire des liens. C'est un support à leurs réponses. Ils ne sont pas seulement dans les faits. Puis aussi, ça leur permet de s'entraider. Parfois, ils vont les dire « Non, on va voir à telle page, on va voir à telle place. » Donc, ça bonifie aussi leur étude. Ils sont beaucoup dans l'entraide quand ils jouent à ce jeu-là. J'ai remarqué que les élèves développent aussi leur autonomie, ce qu'on appelle l'enseignement par les pairs. Aussi, ils vont s'entraider, ils vont s'aider avec les réponses, puis ils vont aussi se corriger parce que si un élément n'est pas bon, ils doivent se le dire dans le jeu. Alors, ça leur permet d'apprendre plus facilement entre eux sans que ce soit toujours juste du magistral à l'avant. Conséquence, maintenant la langue officielle, c'est anglais. Culture, ben ils parlent l'anglais puis le français. Marc, c'est à toi. James Murray, là. C'était qui, James Murray? C'était le gouverneur dans la province de Québec. Merci. Culturel. Je suis catholique et anglican. Essaye d'en voir, vas-y. Okay. Lac de Québec. Puisqu'ils ont plus de territoire, ils peuvent plus pratiquer le commerce des fourrures. Mon rôle en tant qu'enseignante, c'est sûr que ça va être de prévoir les thèmes, de bien préparer mes élèves, leur expliquer le jeu. Et ensuite, pendant qu'ils jouent, je circule en classe. Je les aide parfois à trouver des questions ou des réponses parce que des fois, ça prend un petit déclencheur. Je vais aussi, si j'entends des faussetés, aller vers une équipe pour recadrer, pour pas qu'ils restent avec des fausses impressions ou des fausses idées. Puis aussi, je vais pouvoir les aider avec les cartes noires dans le jeu qui parfois peuvent amener un aspect agréable et plus ludique, mais des fois, ils oublient les règles du jeu. Donc, je suis là aussi pour les soutenir tout au long de leur partie. Je donne des thèmes aux élèves pour les orienter dans leur discussion, puis je me base beaucoup sur les aspects de société. Comme ça, ils vont aller toucher tous les aspects du programme, autant au niveau économique, politique, social et démographique. Ça leur fait un beau survol de tout ce qu'on a vu en classe. Quand on joue au jeu de discussion historique, les premières fois, je dois leur montrer un peu comment faire. J'affiche les cartes au tableau, je leur explique comment jouer. Parfois, dans les premières parties, j'allais aussi avec des équipes jouer avec eux pour leur montrer comment répondre, comment utiliser les cartes. Je vais me joindre à vous dans certaines parties, comme j'ai déjà fait. Là, fait que je vais peut-être venir jouer une ronde avec vous, essayer de gagner. Quelle classe vous atteignez? Les citoyens. Je veux dire, économique, il y a beaucoup de transactions qui se font là, je veux dire, des échanges de produits. $2,500 moins 400, parfait. Il y a comme un cours d'eau là. C'est gros, là. Ben, c'est proche de la mer Méditerranée. Bravo. Bravo. À la fin de la partie, je fais aussi un retour avec les élèves. Je revois les notions qui auraient pu être nommées selon les différentes cartes pour m'assurer que tous les sujets ou tous les thèmes ont été couverts. De jouer au jeu de discussion historique plusieurs fois dans l'année, c'est avantageux parce que les élèves s'approprient le jeu, sont de
plus, sont, en fait, sont meilleurs quand ils vont le faire. Leurs liens sont plus approfondis. Une partie, ça va être environ, je dirais, un 15-20 minutes, un fin période, parce qu'une période au complet, les élèves se perdent un peu, ça perd de son sens. J'ai essayé un peu plus long, mais ça perd de leur motivation. Ils ont fini les cartes, c'est pas super. Donc, plus court, quitte à changer de thème puis qu'ils recommencent, c'est ce qui est le plus agréable pour les élèves. Je crois que c'est comme une meilleure façon d'étudier. C'est plus le fun qu'étudier normalement, puis juste l'œil. Est-ce que tu as un exemple aujourd'hui de quelque chose qui était particulièrement difficile? Bien, la carte cause, on n'était pas sûr des fois. Fait que des fois, mettons, je donnais une réponse puis c'était pas bon, fait qu'ils me corrigeaient. J'ai comme créé un jeu chez moi, la même affaire, je les ai fait moi-même. Puis j'ai joué avec mes parents, puis j'ai trouvé ça pour me préparer comme à l'examen. Bien, le jeu de discussion historique, c'est sûr que ça a changé ma pratique, ça a changé mon approche avec les élèves. Puis, je le conseillerais, ça nous permet de voir nos jeunes dans un contexte différent, d'apprendre différemment. Puis, assurément, je vais continuer à l'utiliser.